Je crois que j'ai refait une commande 6,5 sur 10. Je crois que je l'ai refaite, la commande. Je l'ai refaite. Boum! Voilà, ça y est. 6,5, no comeback mechanics. C'était la note d'IGN. Gros site de presse, probablement le plus gros site de presse de jeux vidéo. Ouais, je suis désolé, je l'ai mis sur un poulet, hein, mais ils ont la même couleur. Préparation au combat conseillée. Du coup, c'est. Je vois que t'as respawn Imperius, mais. J'ai souvent l'impression qu'on tombe sur Warhead quand on est sur le PTR. Ah, il a dit un truc à Diablo. J'ai pas entendu. Dommage. Tant pis. Désolé. Non, non, t'inquiète. 10 secondes. 5, 4, 3, 2. Ça lui va trop bien le plus. Mais oui, ça lui va trop bien. Eh oui, une voix spéciale avec Diablo en ange. Il dit t'es pas digne de machin et je vais te l'enlever. Bon, on teste le Z. J'ai envie de tester le Z. Il nous fait courir. Sprint plus vite, les gars. Oh, ce qu'il a pris. Que j'étais max range et du coup je l'ai empalé, emplafonné. T'inquiète, j'y vais. Non, non, retourne avec les autres, t'inquiète. Ah, moi tu sais, moi je suis en mode Momo PTR. Ah, elle a pas reculé, putain. Que vous êtes ainsi. Bon, je pense que je vais laisser le. Ah, j'aurais dû tag, c'est vrai que je pense pas. Je pense pas à tag le E pendant le sort. C'est tellement d'habitude pas fait par Blizzard et c'est toujours le truc que je critique. Je dis putain, mais ils auraient dû afficher le truc et. C'est vrai que j'y. Faut que je prenne le réflexe. On peut E pendant le truc et ça c'est trop bien. Ah, il est manavore, hein. Il est manavore le pépère quand même. Votre mort est imminente. Pressons le pas. Que vous êtes insignifiant. Bon, peut-être un peu de range au Z. Je vous anéantirai. Bon, je pense que le smart cast sur le perso est pas forcément dingue. Mais faudrait que je le paramètre pour que ce soit lui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Prendre la sustain. Il y a beaucoup de. Ouais, on va prendre la sustain. Que vous êtes un héros ennemi tué. Nous voir. Je triompherai. Pitoyable. J'ai jamais fait gaffe, mais. En fait, les marines, quand ils meurent, ils font. En fait, quand ils meurent, ils font ça. Bon, un peu différemment, mais ils font ça, ils font. Arrête, va le gars. Marsara, RPZ. Oui, la Nova a pas l'air ouf. Je suis d'accord. Ils ont tous l'air pas ouf. Vraiment. Calme-toi. La Sylvanas aussi, hein, sache-le, c'est un berserker. Je te préviens. Nul ne sera épargné. Tu es à moi. Ça, c'est Nazibo. Non, mais il le fait aussi, j'ai l'impression. Déploiement des ogives terminé. Collecte conseillée. La mort est imminente. Le mal ne peut se soustraire à ma vue. Qu'est-ce qu'il fait? What the fuck? Il a E-Heal? Mais je t'ai dit c'est un berserker. Le malgré il m'entend pas. Le mal ne peut se soustraire à ma vue. Et meurt pas, putain. C'est terrible. Sélectionner un talent. Élimination confirmée. Donc j'utilisais Malga, c'est un berserker la Sylvanas. C'est elle te rentre dedans mais vraiment. Il a pas peur hein. Il a pas peur hein. S'il a E-In, genre j'ai pas compris. Il a voulu désactiver mais j'ai pas compris. Collecte terminée. Que vous êtes ainsi. Et en plus sur le papier c'est pas un mauvais joueur il me semble Noizen. C'est peut-être pas le vrai. Bon je pense que si. Ah c'est dommage. À mon avis il est en game viewer mais faudrait que je stack sur le clone. Pressons le pas.
Et donc t'as vu le truc dont je te parlais, tu peux ne pas te faire bloquer par... Attaque nucléaire détectée. Tu t'attendras des remerciements pour n'avoir fait que ton devoir. Oh le lala Rackstein, putain. Elle vient de dire à Morales, tu veux des remerciements pour avoir fait seulement ton devoir. On a besoin de vos forces. Un bon poulet. Ah bah ils vont bien s'entendre les deux, alors qui est hyper russe. Les deux prennent de haut les gens correctement. Tellement parfait. Ah. T'as pas lancé ton. T'inquiète, t'inquiète. Je vous anéantirai. Mais pour moi son sort de contrôle par contre il a l'air très fort. On a besoin de ma force ailleurs. Silence. C'est... Parfait ça aussi. Silence. C'est un sacré FDP Imperius. Ouais bah il est très... Mais à la fin de Reaper of Soul, il a l'air... On voit un peu plus sa vulnérabilité. Son petit cœur en chocomiel. Bon ça sert à rien pour des push. Bon ouais, on va tester celui-là. J'ai envie de tester celui-là moi. T'as pris le shield? Non. Ah non, t'as pris la prise. Non, la prise. Ça a l'air trop rigolo la prise. Je t'avoue que ça me fait beaucoup penser à Neza ou à Kumba Karna dans ce mec. Cette idée d'une prise. Tu vas répondre. Oh, je peux pas passer à travers les murs, c'est dommage. Je suis là. C'est si facile que même Tyrael pourrait le faire. Ce qui vient de faire. Le mal. Ah putain, les punchlines qu'il a, le pépère quoi! Il vient de dire: c'est si facile que même Tyrell aurait pu le faire! Ah le fils de pute, putain! Oh merde, putain! Oh la vache! Oh le mec! C'est terrible! Terrible! Ce manque de respect. Non, là on est du coup dans le. Pour ceux qui se posent la question, on est dans l'Imperius de Diablo 3, hein, pas l'Imperius de. Pas Reaper of Soul. Ah non, c'est. Bah, les gens aiment bien aussi. Hein. Je voyais plus de l'éternel conflit, tu vois, en mode. En mode aucune tolérance, quoi. Parce qu'au final, c'est insane. La plupart des gens qui n'aiment pas Imperius, bah, beaucoup l'aiment parce que c'est un connard en fait. Acceptez votre fin. Je vous anéantis. Mais ouais. Je sais pas ce qu'il fait. Hein. Je pense qu'il joue pas forcément en mode. Mais c'était. Ah, oups. Oula. J'avais pas fait gaffe. Tu vas répondre de ta transgression. Je t'ai sauvé. Oh, j'y croyais pas. Hein. Je n'y croyais pas du tout. Parce que je me suis dit en plus que je t'avais tué potentiellement. Tu arrêtes ? Non. J'étais en train de soigner Diablo pour me régénérer, il est parti. Et du coup, t'as combien de PV ? 3900 au niveau 12. Oh, j'y vais trop loin. C'est beaucoup, 3900 au niveau 12. Élimination confirmée. Vas-y, viens! Hop, 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 on passe en dessous! Ah, je suis mort. Non. Ah, mais non. Attends, regarde. Hop, là, les dégâts, regarde. Hop, Ah, merde, putain. Ce perso est dingue. Ce perso est génial. Son Q ultra chaud. Ouais, le Q faut vraiment faire. Faut vraiment pas se louper, quoi. Faire vraiment attention. C'est pour ça que je pense que ce perso en smartcast, c'est. T'as besoin de précision, quoi. Il fait mais n'importe quoi, hein. C'est. Alors je pense qu'il joue pas sérieux, mais. Je veux dire, quand je joue pas sérieux, je fais quand même pas ça, quoi. C'est l'heure du flanking Perius.
Dommage. J'avais mis un stun 2, je m'attendais à ce qu'on... Ah, je m'attendais à plus de trucs. Ça, je sais pas si c'était ouf, ça, par contre. Mais il va win. Ah non, il est loin, dommage. Mes forces reviennent. Tu vas répondre. Ah c'était la vraie, c'était la vraie. Ah dommage, je voulais tester voir si je passais à travers. Votre mort est imminente. Pardon. Mes forces reviennent. Oh. Ah, je l'ai fait trop tard. Deux victimes je l'ai fait trop tard. Le mal porte sa destruction en lui. Tu t'attends. Je sais pas ce qu'il fait, hein. J'ai pas compris ce qu'il fait. Imperius OP. Ouais, on part. Imperius tellement OP qu'il se suicide les uns après les autres. Je ne comprends pas. Increvable. Son dé, c'est un équivalent d'un enchaînement. Je sais pas ce qu'ils font, mec. C'est, ça n'a aucun sens ce qu'ils font. Regarde, est-ce que tu peux prendre l'ogive, s'il te plaît? Regarde, regarde. Tu vois l'ogive là? C'est moi ou t'es? Tu vois l'ogive là? C'est moi ou t'es étonnamment fin? J'ai l'impression que je suis plus épais que toi. C'est possible, hein. En hitbox, c'est possible. C'est vrai que la hitbox elle est pas grand, elle est pas. Bah, si tu veux, on regarde. Ah, Nova, bonjour. Je l'ai eu. Ah, tu l'as chopé. Ouais, j'ai chopé. Ah. Le combat continue. Qu'est-ce qu'il dit, putain? J'hésite, augmente la vitesse d'attaque et de déplacement. J'en ai pas besoin. Ouais. C'est vrai que tu vas tellement vite en marchant. Non, mais je fais tellement mal, surtout. C'est sur. Bon, je vous m'attendais à ce qu'il la repousse de l'autre côté. J'ai trust mon diabolo. Bim. C'est trop bien. C'est chill, t'es beau, c'est trop stylé. Ah non, j'ai raté. Ah, je l'ai raté, putain. Je pensais que tu l'avais cancel, hein. Aussi. C'est honnête. Il y a un ouais, je pense pas que ce soit foufou, mais. Que règne les cieux. Ah, elle bouge pas. C'est complètement. Ça n'a aucun sens ce qu'il fait. Ah, ah non, non, c'est okay, non. C'est okay, c'est okay. Tu sembles avoir prouvé ton utilité. Personne soon. Nul ne sera épargné. Ah merde, ce perso est génial, putain. Votre mort est imminente. Comment ça fait que t'es aussi rapide? T'as un talent? C'est mon 16, ouais. C'est le 16 qui fait que quand je stun. Tu vas plus vite. Ouais, vitesse d'attaque et vitesse de déplacement. J'ai plus de mana par contre, c'est terrible. C'est la vraie! Entendez la reine Banshee. Le mal ne peut se attendre. Attaque nucléaire détectée. Voilà, mince. Ah, je me suis fait cancel. Non, c'est la vraie? Ah oui, c'est la vraie, d'accord. J'ai plus de mana, c'est terrible. Je manque de mana. On a besoin de ma force. Attends, je vais au moins mettre un R, je pense. C'est terrible. Allez, le R. Tu vas répondre de ta... Je vous le ramène. Youhou. Il est trop bien ce perso. Il est beaucoup trop stylé. Bon, après, c'est du PTR, hein, mais il est beaucoup trop stylé. Je dois me retirer. Il est beaucoup beaucoup trop stylé. Par contre, Afroni, le bistep. Non, mais il le fait à moi là, c'est pas. D'accord. Il fait pas aux ennemis. Je sais, il fait l'intéressant, du coup. Il peut se propager.
Tant qu'il le fait pas aux ennemis, moi ça ne me dérange pas. Je sais pas si on peut pré-clean cette saloperie. Si ça fonctionne comme les autres trucs que je connais, ça. C'est si jamais la personne est insensible en fait, il peut pas, il la touchera pas, il traversera. Bon, bah, dans Smite, enfin ça fonctionne comme ça. Ah, putain, c'est vrai, ils ont fait la même manière. Que vous êtes insignifiant. Parce que l'idée c'est que c'est pas une stase en fait. Ce qu'il fait. Ah. Ah. Belle temporisation avec l'ice blockchain. C'est bon, tu vas pouvoir retourner en fight. Pusher. Eh, le Z au 1 il fait mal quand même. Hein. Quand t'as stack, pouf. Il y a des sacrées patates. Mais attends, mais une seconde là. On est bientôt ready là. On est bientôt ready là. Tu veux des remerciements pour n'avoir fait que ton devoir? Ça rappelle beaucoup Garritos quand tu l'imitais en fait. C'est pas ma faute s'il a l'accent de Jean-Marie Le Pen. En avant. Ah, raté. Vous avez éliminé un bastion. On va voir le niveau 20. Oh, c'est pas cool. Du coup, j'ai envie de prendre l'ult non-stop, mais bon, en termes d'incensi, ça va être. Tu veux tester l'incensi? L'incensi, je pense que c'est le meilleur, mais allez, vas-y, on va troll. Là. Tu vas merde. Ah, j'ai raté. Tu sembles avoir trouvé ton utilité, soigneur. Mec, je l'ai là. Deux victimes à la fin. Ah, t'es... Je l'avais de nouveau. Bon, après on a beaucoup d'avance là, mais ça j'ai raté de fou. L'ult là, il était raté. Je m'attendais, pas à ce qu'il sache qu'il est le que j'ai l'ulti. Mais il a fait le pas de côté instinctif et je pense pas qu'il le savait. Mais du coup j'ai raté mon deuxième ult. Parce que le premier c'était pour trollolol. De toute façon je voulais vraiment voir la réduction de CD. Je voulais tester la réduction de CD et putain. C'est dommage hein, parce que je l'ai eu très très rapide. Avec le 7, c'est fort hein. Avec le 7 c'est très fort. Le R dans la nuque. Bah en fait je voulais le ramener de toute façon, donc il y avait moyen de faire des trucs rigolos. Oh et ça. Merci à toi Lifar pour les 11 mois. Ah dommage. Il y a moyen de le contrer, je pense. Mais tant pis. Ouais, j'aurais dû. C'était dur hein, c'était pas simple. C'est la vraie hein, c'est la vraie. Pourquoi il erre pas le Tyrell, petit Grimmin? Il a le CD. Oh, oh 360 scoop. Allez, qui la croise comme ça, c'est les meilleurs. En vrai, celui-là, je savais que je l'aurais. Après, si Grimmin a eu peur de mourir à cause de Tyrell, en fait, il a le gap closer avec. Il aurait. J'ai pas compris pourquoi il l'a pas fait. Peut-être qu'il y avait plus de mana, j'ai pas vu. Là, est-ce que tu penses que l'ennemi, quand tu l'as touché, il a fait ça? Ça t'a mis cette emote, c'est ça? Quand t'es sur ton monture, ça va, les ailes elles sont pas si dégueulasses que ça. Hein. Ouais, parce qu'il a armé vers le haut. Ça fait très une posture de. Ça fait très posture de. Oh. Ah, mince. Mais elle bouge pas, c'est n'importe quoi ça. La clémence est un signe de faiblesse. Non, ah, j'aurais dû le faire avant. Ouais, bah. Attends, on va le tuer sur un easy camp. Pardon, j'aurais dû le faire bien avant. Ouais, bah. Je pensais pas qu'on allait souffrir comme ça en fait. Ah, il m'a tout balancé en fait. Ça se voit que c'est quelqu'un qui joue bien mais qui juste fait n'importe quoi. Putain, il manquait pas grand chose. Si Diablo y avait cru. Écoute, un personnage avec quelques PV. Ah, il est tellement dessus. Ah, ça met trop de temps à stacker. Parce que si je l'avais touché là avec le R, c'était réglé. En tout cas, t'as l'air de bien t'éclater avec le perso. Ah, il est cool, il est trop bien le perso. Beaucoup trop bien. Après, par rapport à ce qu'on vous disait aussi, sachez-le, c'est un gameplay de personnage de MOBA classique. Et ça va pas révolutionner le jeu. Oh, clairement. Mais après, c'est quand même cool. C'est ça l'idée. Voilà, là, vous allez ouvrir. Non, je suis dessus. Vas-y, il y en a un autre. Oh, regarde, il est stun.
je passe en dessous. Eva win, Sylvanas, je crée main. Ouais. Oh, je suis triste, je m'attendais à ce qu'il avance. Il fait des... Ouais, bon après, je sais pas pourquoi j'essaye d'anticiper. Je sais pas pourquoi j'essaye d'anticiper quelqu'un qui, depuis tout à l'heure, fait n'importe quoi. Et depuis tout à l'heure, il fait n'importe quoi. Je m'attendais à ce qu'il s'avance et en fait, c'est pas avancé. Il a juste clic droit sans bouger. Je suis une solo Momo, je fais quoi? Il a pas l'air cancer à jouer contre. Bah, ça dépend. Non, il est facilement contrable en fait. Ouais, c'est ouais, c'est ça. Il est très. Mais comme. Dans la lignée de tous les derniers persos à être sortis, c'est très fort dans un point et très très faible dans d'autres. Là, si t'esquives, si tu fais des pas de côté, le perso c'est l'enfer. Hein. Ah mince. Là, Medivac. Non, oh bah il t'a sauvé. C'est très sympa ça. Hein. Très très gentil. Franchement, un des meilleurs Junkrat de main. Et Iterel, faudrait que ce soit à distance. S'ils font Iterel à distance, ça serait cool. T'as pris le 20 là? Ah ouais, parce que je me disais putain le style que tu te mets. Un nazibo. Comme tous les nazibos, pète les murs avec des grenouilles. Je persévère. Ça c'est Nova qui a réussi à faire pratiquer ses mercenaires. Oui, mais c'est tout à fait normal Arad, hein, bien entendu. Mais il n'y a pas que le perso, il y a des moves qui sont what the fuck esque. Hein, que je serais sur n'importe quel perso. Enfin, top là quand il a mis un E-in sous les tours face à moi alors qu'il est mid-life. Bah non, tu fais pas ça. Contre n'importe quel bruiseur, tu fais pas ça de toute façon. Genre, en 1v1, tu fais jamais ça en fait. Vas-y, va, gars. T'auras jamais. Tu vas répondre de ta transgression. Ah merde, je pensais que je voulais. Je vais chercher Tyrell. Attends, je vais le chercher en fait, elle. Ah, la flexibilité du AZ est pas dingue. Bah t'as vu que tu peux régler la distance, tu vois. Ouais, bien sûr, mais Tu veux. Oh mais... Tu vas pas me dire que c'est parce que c'est le nouveau héros, ça. Tu appelles ça une folie. Allons de l'avant. J'ai le train, puissance. Puissance. Oh la vache. Ah putain, il a paniqué, il a probablement paniqué. Mais là, là on est sur un niveau de panique là. En plus le pire c'est que genre pendant un moment je dis mais attends on a un chacal dans notre équipe. Genre la mine parfaite pour que Diablo l'empale contre le mur quoi. Genre il y avait pas de... C'était le top du top à faire quoi. Genre vraiment le plays parfait si t'es un jacal avec Diablo. Tu l'orientes contre le mur là, bam, instant. Et non c'est lui. Ah putain. Ah, il était fort quand même ce Junkrat hein. Mais non mais il a paniqué là. En fait, quand je nous ai tous vus dans l'équipe, on a tous fait wow quand on l'a vu pasteuriser. En plus, ce qui est bien, c'est que Diablo, dans ce genre de cas, si t'es Diablo, tu peux limite être paniqué parce que tu t'y attends pas en fait à ce que le mec fasse ça. Et non, il a très bien réagi, un stand stun. Il a très bien réagi, il a appuyé sur A et bam dans le mur. Bam contre le mur. Et puis avec son build midlife instant, hein, et ensuite, en fait, il a fait A, auto-attaque, je crois. Le mec était déjà mort parce qu'on avait une Jaina. Ah putain. Merci beaucoup Tri pour le sub. Merci beaucoup à toi. Donc ouais, au niveau du build, je vais expliquer un petit peu ce que j'ai fait quand même. Le Z1, parce que bah... Alors je pense que ça joue entre les deux Z1 de toute façon. L'auto en 3% maximum PV c'est très fort, mais là il n'y a pas des masses de PV. Mais surtout ce Z1, bah, c'est un meilleur slow. Et t'as pas beaucoup de mobilité une fois que t'as mis tes combos. Donc ça permet d'avoir quand même un meilleur outil pour rester dans la mêlée. Ça peut te permettre de mieux t'en sortir aussi, parce que tu slow améliorer les mecs, bah, tu peux courir, tu peux t'en aller. Mais tout simplement, l'amélioration des dégâts du Z, c'est plus de burst, mais plus de dépêche aussi, puisque c'est ton sort principal de dépêche. Et je rappelle, le Z est le sort que vous avez le plus souvent. Donc c'est cool. Et en 1v1, bon là j'ai stacké très facilement parce que la Nova, bon, extraordinaire. Le 4, bah, la sustain, je pense que c'est pas mal, parce que ça s'applique en zone avec le 7 et... Faut voir s'il y a énormément de contrôle, il y en avait, mais l'insensible peut être très forte, la purge peut être très forte, mais sinon celui-là je pense qu'il est très fort. La Sainte Ferveur, donc l'attaque de zone, c'est quand même très 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 fort avec le 4. Et même en mono-cible, ce qui est fort, c'est que comme Cassia,
même en mono cible en fait ça a fait une augmentation de dégâts sur ton auto-attaque, donc dans tous les cas c'est worse. Le 10, je pense que les deux sont très bien, mais celui-là c'est vraiment rigolo, j'aime beaucoup, j'aime, les deux sont très bien de toute façon. 13, j'ai pris celui-là pour avoir plus souvent le E, je pense que s'il y a beaucoup de burst, la sustain améliorée quand t'es low, ça peut être vraiment pas mal. L'autre, je me rappelle plus encore. Le 16, j'ai pris ça parce que bon là j'avais... Là on était free, donc je me suis dit vas-y on va augmenter la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement. Vitesse d'attaque avec le 16 plus le 7 et le 4, bah t'as une sustain de Portio. Ça fait très penser à un build Z de Xul. 4-7-16, la différence avec un build Z de Xul c'est que tu sers à autre chose même quand t'as pas ça en fait. Donc c'est mieux en fait. Mais ça fait très penser à un build Z de Xul quand tu actives 16-7-4. C'est... Et avec le 20 ce qui est fort c'est qu'à chaque fois que je fais proc une marque de mon passif, donc un enchaînement, eh bien je réduis de 5 secondes le CD de l'ult. Et ça va, comme vous l'avez vu, très 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 vite. Genre j'ai dû mettre 2 ults en quoi, 15 secondes même pas. Bon après si je proc avec le 7, hein, sans ça je pense que c'est beaucoup plus dur. Mais du coup ça peut te permettre d'y... En fait si tu joues bien, parce que là j'ai voulu tester le combo en mode... Et du coup j'ai tout raté, mais ça veut dire que tu peux potentiellement engage le fight avec un 10. Et si tu t'en sors bien, tu peux limite ult out ensuite pour t'en sortir en fait. C'est... Bon après ça demande d'un... un calcul parfait de bien se lancer, mais si tu ult in, tu t'engages pour aller vraiment au milieu de la mêlée, tu genre ZAE puis t'empales tout le monde, ça te permet d'avoir potentiellement temporisé un peu pour récupérer la déquéance, et du coup tu peux même ult out et amener un kill. Genre après c'est dur, mais tu peux le faire, mais ça reste très technique je pense, ça reste très compliqué, que ce soit à exécuter comme au niveau des CD, faut pas se louper une seule fois sinon t'es mort. Donc c'est chaud. Imperius en solo ça le fait bien, c'est un solo laner. C'est son job, c'est un solo. J'allais te demander le dépush, ouais, il est bon, pas trop. C'est pour ça aussi que j'ai pris le Z01, parce que ça augmente le dépush. Parce que j'allais dire, le problème de ceux qui disaient oui pour le A c'est cool d'avoir un A souvent, le problème d'augmenter le A en fait c'est que c'est juste un sort qui va vous servir en PVP, et qu'il faut, enfin qui est pas évident à toucher, etc. Enfin je sais pas si malgré la si, si, non, mais c'est pour ça que le pour moi le Z est le top du top en fait. En fait, généralement, pour... enfin, vas-y, si tu peux dire un truc. Non, mais c'est juste, je pense que le A, il est pas mauvais, hein, le A. Mais je pense que le A est meilleur si. Si t'as plus de push en fait si, dans ta team. Si t'as peut-être besoin de trouver des axes d'engage en fait. Genre, si tu peux manquer de. Je sais pas. Je sais pas, peut-être un peu plus sur des initiations. Je sais pas trop. J'ai du mal à voir l'intérêt du A pour le moment. Parce que ok le A fait plus mal, donc en PVP c'est bien, mais en PVP je pense que le bûcher est très très bon. Après peut-être c'est une comment